Sylvanas' soul has been fractured from the moment of her death until now. Burn it! This was their home. And you slaughtered all of them! How could you take all those innocent lives? This was beyond life and death. There was no other path to true freedom. How can you not see that? I see what you are. Murderer! Monster! Butcher! Why can I not escape this torment? The jailer has severed their bond and condemned her to endlessly relive her atrocities. So long as her soul remains divided, she cannot wake. Maybe she shouldn't. She's the only one who knows the jailer's plan and how we might save Anduin. She's the one that turned Anduin. Jaina is right. How can we possibly trust her? Her wound runs so much deeper than mine. Well met, Ranger General. What is this? Who are you? Someone who shared your fate, felled by the blade of the very same prince. Arthas. I died trying to stop that monster, only to wake up haunted by one with my face. That banshee is you. No. I cannot accept that. Her path began where yours ended. And you've seen the decisions she made. Never in a thousand lifetimes would I betray everything I stood for. You can't possibly understand. The jailer is deceptively cunning. When I realized I had become his pawn, it nearly destroyed me. He had no doubts it would destroy you as well. Was he right? Or will you accept her shattered legacy and tell us how to stop him? Her crimes are unforgivable. Yes. And she... Burn it! I must face the consequences. We cannot change the past. And we may never find forgiveness in the future. But inaction damns us all. Time is short, Ranger General. Make your choice. I've done all I can. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour analyser justement cette cinématique. Alors je suis désolé pour ceux qui sont pas très fans de l'anglais, tout ça, à chaque fois que je commente que j'analyse justement une cinématique en anglais, beaucoup de gens sont la française, mais le problème c'est que les français, la version française met souvent beaucoup de temps à arriver, et là je dis ça et elle arrive demain, mais souvent elle met beaucoup de temps à arriver, donc je vais plutôt aller sur la version anglaise. D'ailleurs, petit rappel, au niveau du contexte, nous sommes sur une cinématique qui se passe
Ra, au niveau de la du début de la 9.2, alors c'est pas l'intro de la 9.2, c'est quelques quêtes, donc c'est au moment où on arrive à Corsia, c'est un peu après. Donc ce qui est très étrange, c'est qu'elle sorte dans ce contexte-là, puisque je pense, je soupçonne, je n'ai aucune preuve ou quoi que ce soit, mais je soupçonne que Blizzard a eu peur qu'elle soit révélée avant et que du coup ils ont préféré anticiper en la sortant comme ça, parce qu'elle est en non répertoriée sur la chaîne World of Warcraft officielle. C'est très bizarre la manière dont cette cinématique est sortie. Un peu dommage à mon sens, parce que bah c'est mieux d'avoir la surprise sur le moment T, mais d'un autre côté, je vais pas m'en plaindre non plus, parce que c'est toujours cool. Mais c'est vrai que je trouve ça un petit peu dommage, parce que bah, elle sort un peu comme ça de nulle part, j'ai envie de dire. Maintenant, c'est clair que c'est un très bon teasing pour la 9.2. Hein. C'est clairement un très très bon teasing pour la 9.2, et c'est probablement aussi la volonté qui est faite par Blizzard pour répondre à plein d'interrogations que la 9.1 a soulevées. En attendant, donc je vais traduire un petit peu tout ça, rappeler aussi, personnellement, cette cinématique, y a beaucoup de choses à dire, donc il va falloir qu'on avance un peu. Mais donc on retrouve Sylvanas dans l'état dans lequel on l'a loupé, hein, vidéo sur Playlist Shadowlands, vidéo sur la 9.1, la fin de la 9.1 avec Sylvanas. En tant que boss du sanctuaire de la domination, Sylvanas a été vaincu, et à la fin, eh bien, on voyait le geôlier prendre, récupérer l'âme de Sylvanas, le briser et lui renvoyer dans son corps. Et donc on la retrouve justement, une partie de son âme en tout cas lui renvoyée. Ça, la partie manquante d'ailleurs. Et au final, eh bien, Sylvanas tombe KO avec justement la réintégration de son âme. Et là, eh bien, Sylvanas est tout simplement allongée. Elle est dans une sorte de coma, une sorte de lutte intérieure. Et donc, premier personnage à parler, c'est Uther. Je vais en faire aussi un petit, je vais faire un petit point. C'est vrai que ça va vite, je vais vite le dire, j'aurais pu attendre plus tard. Mais Uther, son traitement à Shadowlands, il est exceptionnel. Vraiment, il est exceptionnel. C'est aussi pour ça qu'on peut rager à certains moments sur des trucs qui sont moins bien écrits, parce que le traitement d'Uther, j'aurais un petit détail, c'est peut-être de parler de certains crimes qu'il ait pu commettre dans sa vie, le massacre de paysans, le massacre des orques, tout ça. Mais globalement, Uther, le traitement de Shadowlands, il est parfait. Il est juste parfait. Et ce qui est génial, c'est que la cinématique qu'on avait évoquée, playlist de la 9.1, hein, la première cinématique de Shadowlands, c'était j'appelle ça les prémices, mais c'est la cinématique d'éternité, où on voyait Uther à Bastion, etc. Avec son dilemme intérieur, sa lutte face à Arthas, le fait qu'Uther ait été trahi, qu'il se sente trahi, et qu'il soit très amer et qu'il veuille la vengeance, sous couvert de nom de justice, alors qu'en fait c'est clairement une quête de vengeance, hein, comme on en avait parlé. Et on le voit, et ce qui est assez intéressant, c'est que la cinématique des éternités d'Uther lançait un peu Shadowlands, elle lance l'intrigue, au final ça fait écho, tout de suite c'est repris dans la campagne des Kyrian, sans avoir Uther partout en plus, dans le pexing des Kyrian, pardon, parce que je dis la campagne Kyrian, mais je voulais dire le pexing, vous voyez dans la prise d'expérience, la quête narrative de Bastion, on voit justement il y a toute la thématique autour des choix, des conséquences de nos choix, le libre arbitre, etc. C'est vraiment la grande thématique des Kyrian. Elle est reprise ensuite dans la campagne de congrégation, où cette fois on met beaucoup plus le focus sur Uther, les crimes qu'a pu commettre Uther en faisant les mauvais choix à cause de justement cette volonté, toute cette rancœur qu'il avait en lui. Et finalement dans Corsia, la 9.1, eh bien on a, l'épilogue de la campagne Kyrian, avec justement Uther et les désavoués qui récupèrent leur rang au milieu des Kyrian, et le fait qu'il va falloir pardonner et avancer malgré les crimes qui ont pu être commis. Et ça c'est assez intéressant, parce que pourquoi j'en parle là? Eh bien le premier personnage à parler dans cette cinématique, c'est Uther. Et Uther, c'est celui qui va servir justement de lien, de messager entre Sylvanas et ceux qui voudraient réclamer vengeance contre Sylvanas. Donc voilà, Uther qui évoque le fait que justement l'âme de Sylvanas a été brisée, hein, elle a été fragmentée en deux parties. Et petite chose intéressante, on voit en fait la blessure, ça je ne l'avais pas remarqué sur la fin de la 9.1, cette blessure en fait qui va être très importante dans la 9.2 au niveau narratif, parce qu'en fait c'est l'endroit de la blessure où Arthas a frappé avec Frostmourne. Alors, canoniquement,
dans War 3, de toute façon, bon, les modèles, on va pas se mentir, c'était difficile de savoir où il avait frappé. Je sais plus si le livre, parce que je l'ai pas lu personnellement, mais je sais pas si justement il disait que c'était vraiment spécifique dans le ventre. Enfin, il me semble de toute façon que ça a toujours été dit que c'est dans le torse qu'a pris Sylvanas. Il semblerait plus que c'était le ventre. Bon, que la blessure soit remise plutôt en haut vers le cœur, et puis d'un autre côté, c'est logique aussi. Arthas était monté, Sylvanas est à pied. Normalement, une blessure comme ça, quand tu frappes des stocks, c'est vrai que c'est plus au niveau du. C'est logique que ce soit sur le niveau haut du torse, alors que bon, pour aller en palais comme ça, faudrait. Enfin, t'imagines Arthas se baisser, enfin, c'est un peu compliqué quoi. Donc. C'est pas un problème, mais ce qui est intéressant, c'est de faire le lien justement avec Uther. Les deux ont eu la blessure de Frostmourne. Donc les deux ont une connexion. Et ça, c'est plutôt bien vu de la part de Blizzard. Donc voilà, son âme a été fragmentée depuis le moment de sa mort, donc à Warcraft 3. Jusqu'à maintenant. Voilà, on voit toute la magie d'ombre, etc. Et Uther, du coup, se connecte à Sylvanas et ressent l'intérieur de ce qui se passe chez Sylvanas. Ça rappelle aussi quelque chose, une petite thématique qu'on avait oubliée, c'est Devos. Devos, Deva en français, Devos, qui avait fait la même chose pour Uther, pour voir ce qui s'était passé au sein de l'âme d'Uther. C'est pas une spécificité d'Uther. Devos avait vu en l'âme d'Uther et vu les problèmes, ce qui s'était passé. Et c'est ce qui avait amené Devos à se rebeller. Donc ça, c'est intéressant justement parce que cette fois, c'est Uther qui joue le rôle de Devos et qui va être un guide différent du chemin que Devos a entrepris. Donc là, on est dans la tête de Sylvanas, dans le dilemme intérieur de Sylvanas. Donc c'était leur maison, fait référence bien sûr à Teldrassil, à Battle for Azeroth, le prémisse de Sylvanas de Battle for Azeroth d'ailleurs. Et quelque chose que j'avais évoqué à la 9, là-dessus, j'avoue que je suis un petit peu fier, parce que c'est quelque chose que j'avais évoqué déjà dans le prémisse de Sylvanas. Rappelez-vous, en fait, le personnage qui était présent ici, c'était une elfe de la nuit, c'était Delarin. Delarin, une capitaine des sentinelles, pardon. Et Sylvanas l'avait un peu, s'était un peu amusé à la torturer, en mode, regarde ton précieux chez toi qui brûle, etc. Sylvanas avait totalement repris le rôle d'Arthas et Delarin était Sylvanas. Et à côté, c'était la forêt de Kaltalas qui était en train de brûler, quoi. Donc c'était vraiment l'idée de cette reprise un peu en tout cas, il y avait clairement cette thématique en commun, etc. Et là, ils ont vraiment repris plan pour plan et ils ont remplacé Delarin par la Sylvanas. Et j'avais déjà évoqué le fait qu'il y avait une espèce de projection. Je ne m'attendais pas à ce que Blizzard reprenne ce truc et le fasse vraiment mot pour mot. Et à la fin, on va y revoir. C'est encore mieux amené à la fin. Là, on a une Sylvanas qui est spectatrice de ce qui est en train de se passer. Une Sylvanas qui brûle l'arbre. Et une Sylvanas, du coup, qui est en train de pleurer parce que ce qu'elle voit, c'est un cauchemar. Voilà, c'était leur foyer, vous avez tous tué. Comment as-tu pu prendre toutes ces vies innocentes? Alors un point aussi que beaucoup ont critiqué, je vais en profiter pour le dire maintenant, j'espère ne pas me perdre dans mes pensées, mais un point qui a été pas mal, je sais que beaucoup de gens ont été étonnés de la qualité graphique de la cinématique. Alors moi, j'avais tellement lu ça avant de le voir, j'étais pas chez moi, donc j'ai dû revenir. Et j'ai tellement lu ça que je me suis dit, putain, ça doit être vraiment un truc un peu à part. Et en final, bah, je me suis dit, bah non, globalement, c'est peut-être le visage de Sylph qui ce côté, ça fait très Heroes of the Storm en termes de graphisme, mais au final, c'est du wow, quoi. Enfin, genre, ça m'a pas spécialement choqué. Clairement, il y a un petit teint Heroes of the Storm, je dirais, au niveau de certaines textures. Mais au final, ça m'a pas choqué plus que ça. Donc, bon, apparemment, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont été un peu étonnés. Par contre, un truc clairement qui va aussi dans ce sens-là, c'est les yeux de Sylvanas. Les yeux de Sylvanas, puisque bah, les Hauts-Elfes, on sait qu'ils ont des espèces de lampadaires à la place des yeux. Et pas que les Hauts-Elfes d'ailleurs, les Elfes de la Nuit, les Draenei, ils ont tous des lampadaires à la place des yeux. Et là, on voit des pupilles extrêmement humaines. Sylvanas est totalement humanifiée, hein, humanisée plutôt, je devrais dire, ici. Et ça a choqué pas mal de monde. Alors, je comprends que ça choque. Mais d'un certain côté, il faut bien comprendre qu'ici, on veut vraiment humaniser à fond le personnage aussi pour comprendre ce qu'elle a traversé tout simplement et ce à quoi elle a été confrontée. Donc c'est assez logique de l'humaniser, d'humaniser ses traits. Et j'ai surtout envie de dire, bah, il était temps que certains se réveillent. Hein. Prémisse de BFA, hein, Sylvain, elle avait même pas les yeux bleus à l'époque. Je parlerai même pas des toits rouges derrière pour les hauts elfes, hein. Magnifique. Bah c'est Silvermoon, Mal'Jaeny. Ouais, on va en reparler après. Mais du coup, elle avait même pas les yeux bleus. Et tout le monde a fait, oh, c'est incroyable, hein, la qualité est super, Blizzard, elle est incroyable la qualité, hein, superbe, magnifique. Battle for Azeroth, la cinématique d'intro,
Ah, elle a dit Force the Horde, il y a Sorfang qui fait. Et du coup, c'est plus ça d'ailleurs. Et tout le monde a fait ah, c'est génial, etc. Mais j'en avais déjà parlé, moi, dans cette cinématique, que ses yeux étaient très étranges. J'en avais déjà parlé, donc certains se réveillent un petit peu longtemps après, je trouve. Genre, vraiment, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau qu'on humanise un peu le personnage, c'est pas nouveau. Et d'ailleurs, pour ceux qui se diraient, ouais, c'est BFA qui a foutu la merde, ce que j'ai pu lire un petit peu aussi, re-regardez la cinématique de Légion, vraiment en bonne qualité. J'ai voulu vous la mettre, mais je l'avais pas en assez bonne qualité. Et je pense que ça aurait très mal rendu sur le stream. Mais au final, elle a les yeux, déjà normalement, enfin c'est full rouge avec juste les pupilles rouges. Et bah dès la cinématique de Légion, pourtant Sylvanas c'est pas super blind dedans, bah plus je la vois mieux ça va. Au tout début je m'étais dit qu'est-ce que c'est que cette horreur, au final ça correspond bien à Sylvanas. Et les yeux, bah au final on revoit, elle a vraiment les pupilles rouges et c'est tout. Donc c'est pas quelque chose de nouveau, et on avait déjà des fanart, bon fanart c'est pas officiel bien sûr, mais... qui humanisait déjà le personnage avec des pupilles, et c'est quelque chose qui a déjà été fait. Marad, les Draenei, vous savez que les Draenei c'est des gros lampadaires. Personne n'a été choqué quand dans Warlord of Draenor il y a la cinématique de Marad et que dans il a les pupilles bleues, genre ça a choqué personne. Donc ça me paraît un peu bizarre, je dirais, de cette espèce de levée de bouclier. Après je suis d'accord, bien sûr canoniquement les hauts elfes n'ont pas des yeux comme ça, mais faut bien comprendre que c'est aussi pour humaniser le personnage dans cette cinématique où on voit la partie, on va dire, banshee, et la partie justement pas humaine parce que c'est une haute elfe, mais c'est vraiment cette intention narrative de justement de montrer que voilà, c'est une personne. C'est plus facile en tant que spectateur de s'identifier au personnage si elle a des traits plus humains que si c'est juste je sais pas, enfin après je suis d'accord que c'est facile, je suis d'accord, on arrive, enfin Blizzard nous a convaincu avec des orques, a réussi à humaniser les orques qui sont des espèces de grands géants verts, bon ils mangent pas de légumes pour le coup, mais du coup c'est je suis d'accord qu'ils sont capables de le faire, mais c'est pas déconnant quoi. Faut se mettre d'un point de vue de l'auteur, c'est plus facile de faire passer le message quand vous avez des traits plus humains, c'est logique. Donc voilà, comment as-tu pu prendre toutes ces vies innocentes, et là on a la Sylvanas La Sylvanas mort-vivante qui lui explique que c'est bien, ça va bien au-delà de la vie et de la mort. Et c'est pareil, même cette, d'ailleurs même celle-là, hein. Si vous regardez, il y a les pupilles rouges. Alors pour le coup, c'est vrai qu'ils auraient pu peut-être faire un peu comme celle-là, avec la pupille vraiment bleu-bleu qui pète, mais de toute façon, même ça, ça aurait pas été vraiment haut-elf. Hein, Parce que là, c'est pareil, hein, c'est blanc derrière, hein, c'est pas, ça devrait être full rouge en fait. Hein. Mais je suis d'accord que ça aurait peut-être moins choqué si ça avait été un peu comme ça, mais en bleu. Donc il n'y avait pas d'autre chemin pour la vraie liberté. Comment tu ne peux pas voir cela? Je vois ce que tu es. Une tueuse, un monstre, un boucher. Et ça, cette ligne, elle est vraiment excellente. Cette ligne est très intéressante et il y a plusieurs grilles de lecture. Why can I not escape this tourment? Pourquoi je ne peux pas échapper à ce tourment? Ce qui est très drôle, c'est que ça fait écho à une des deux grandes phrases de Sylvanas de Warcraft 3. Les deux grandes phrases de Sylvanas de Warcraft 3, c'est « Quelle joie y a-t-il dans cette malédiction ?» et « Nous ne sommes que les esclaves de cette malédiction. » Ce qui est rigolo, c'est que ça fait énormément écho à la deuxième, hein, que « Nous ne sommes que les esclaves de cette malédiction », qui a toujours été une phrase prononcée par Sylvanas Banshee. Donc la Sylvanas... général des forestiers qui prononce une phrase que la Sylvanas mort-vivante dit, ça vous montre que ces deux personnages qui sont assez opposés au début de la cinématique, bah au final il y a déjà ce petit clin d'œil en mode c'est déjà le même personnage, et qu'on comprend pourquoi justement cette Sylvanas là a vrillé dans cette Sylvanas là, parce que bah, c'est la même personne en fait, et on va y revenir après, parce que ça aussi c'est un truc qui a pas mal, j'ai même vu des youtubeurs américains dire ah, faut lui pardonner, etc. Au contraire, c'est pas ce qui est dit, ça ne déresponsabilise pas Sylvanas, hein. C'est au contraire, je pense que certains ont très mal interprété le message. Mais au final, du coup, ça c'est aussi rigolo parce que, enfin rigolo, c'est pas très drôle, mais je veux dire, le principe c'est aussi que justement, elle a été esclave dans Torghast, dans Tourment, qui est vraiment le geôlier qui inflige les tortures, la torture aux âmes, etc. Et c'est ce qu'avait vécu Sylvanas à l'orée de la nuit également, où Sylvanas revoyait un petit peu cette torture, et c'était d'ailleurs Arthas, elle voyait dans l'orée de la nuit Arthas se faire torturer de la même façon. Donc ça c'est assez intéressant, cette connexion, et du coup que Sylvanas voit ce qu'elle fait, et en même temps elle est torturée de cette manière, c'est un truc que le tourment, enfin
que l'antre avait, enfin, en l'occurrence les terres d'ombre, avaient déjà été évoquées pour, surtout concernant Arthas. Donc c'est assez intéressant, c'est vraiment pas mal ce... Et en plus, ça montre qu'Uther est en train de voir, hein, surtout une bataille d'esprit, en fait, au sein même de la tête de Sylvanas. Et voilà, elle voit toute cette haine, toute cette rancœur. Enfin, Uther voit toute cette haine, toute cette rancœur. The jailer has severed their bond. Le geôlier a coupé leur lien, justement, entre les deux Sylvanas. And condemned her et l'a condamné à revivre éternellement toutes ses atrocités. Donc ça, c'est encore intéressant pour voir la torture mentale. Et ce qui explique pourquoi Sylvanas est dans le coma, d'ailleurs. Et tant que son âme sera fragmentée, sera divisée, sera brisée, elle ne pourra pas se réveiller. Et là, alors je sais que beaucoup ont rigolé parce que Bane il dit pas grand chose, il fait pas grand chose. Alors pour ceux qui se posent la question, sans spoiler plus que ça, Bane aura un peu d'importance à la 9.2, on sait pas encore tout, mais il va enfin se bouger les miches. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est que celui qui est le plus énervé contre Sylvanas. Alors, Tyrande n'est pas présent dans cette cinématique, mais Bane est probablement celui des quatre qui a le plus de raisons d'en vouloir à Sylvanas. Faut pas oublier BFA. Il a été torturé, il a été asservi par Sylvanas, etc. Donc, bon, celui qui en veut le plus à Sylvanas, c'est pas étonnant que ce soit Bane. Donc, il lui répond, mais peut-être qu'elle ne devrait jamais se réveiller. Et là, on a notre Barbecue Man qui rappelle que, justement, il est un personnage fonction. Donc, il faut faire avancer l'extension et le récit, bien sûr, puisqu'il rappelle que c'est la seule qui connaît le plan du geôlier. Je rigole, hein. Bon, j'en pense pas moins, mais je rigole. C'est vrai, c'est la seule qui connaît les plans du geôlier, donc qui peut nous aider à vaincre et à arrêter le geôlier. C'est la seule one. Mais c'est rigolo, hein, ce personnage. Et comment nous pouvons sauver Anduin ou Anduin. Ce qui est, d'ailleurs, je vais faire juste une petite parenthèse sur Bolvar, c'est pas vraiment l'objet de cette vidéo. On fera de toute façon une vidéo récap à la fin de Shadowlands, on fera une vidéo de récap, ce que l'on juge avoir été fait positivement, négativement, les réponses aux questions, l'absence de réponses à certaines questions, etc., etc. Mais Bolvar, c'est... Moi, c'est l'un des calls que pour le moment je n'ai pas rempli avec Shadowlands, c'était le fait qu'on allait enfin avoir du développement de personnages sur Bolvar. Je trouve ça scandaleux que je me sois trompé. Non mais je trouve ça scandaleux que ce personnage n'ait aucun traitement. Alors apparemment, on va enfin à la 9.2, ce qui a été dataminé. Je ne me suis pas spoilé plus que ça, mais il semblerait qu'il va y avoir enfin des lignes, des interactions, notamment avec sa fille, avec Taelia. Enfin, et des questionnements au niveau de maman de Taelia. Enfin, j'ai envie de dire, bordel, ce personnage c'est d'une tristesse, putain. Mais en même temps, voilà, il est fidèle à ce qu'il a toujours été, à savoir un personnage fonction, mais c'est vraiment triste. Et enfin, il fait, ouais, faudrait peut-être qu'on sauve Anduin, parce que bon, je suis un peu son tonton, en fait, hein, accessoirement, je suis un petit peu le mec qui veille sur lui depuis qu'il est petit, donc c'est vrai que j'ai un peu un lien très personnel avec lui, hein, c'est terrible, hein, Bolvar, hein. Mais bon, je referme la parenthèse. Donc voilà, Jaina qui rappelle que c'est la Tata, elle, qui est pas contente, hein, puisque c'est elle qui a aidé à transformer Anduin en espèce de proto-chué de la mort. Thrall qui répond que Jaina a raison, en même temps, là, en ce moment, les deux, ils sont cul et chemise, hein, les deux sont... Non, je crois que l'expression est pas terrible ici. Mais ils ont toujours été très proches, au final. Et Uther qui reprend la parole en disant que sa blessure est probablement plus profonde que la mienne. Elle est tellement plus profonde que la mienne. Et c'est intéressant, la petite pause, les trois petits points que la sienne. Et là, on voit encore une fois le lien. Là, il va montrer sa propre blessure. Et oui, les deux ont un passif en commun. Et là-dessus, honnêtement, Blizzard a très très bien joué. Parce que Uther et Sylvanas, c'est deux personnages qui n'ont jamais vraiment été mis en relation l'un à l'autre. Ils se sont... Dans les jeux, ils ne se sont jamais parlé, ils ne se sont jamais adressé la parole. Et pourtant, ils en ont des points communs. Les deux ont été défenseurs, étaient les deux généraux en chef des armées de leurs royaumes respectifs. Les deux se sont, levés contre Arthas, qui a détruit leur royaume, tué leur roi et brûlé leur terre. Ils ont clairement un passif, et en plus les deux sont de War 3, bon Uther c'est War 2, mais les deux sont très War 3, donc c'est vrai qu'il y a ce lien qui les a rapprochés d'un point de vue scénaristique, alors que c'est vrai que ces deux personnages n'ont jamais été associés ensemble. Et aussi, petit point qu'on oublie souvent, et je vais en parler juste après, ça a été aussi deux grands généraux de l'Alliance. Et oui, on l'oublie, hein, Sylvanas, Forsworth, tout ça, mais à la base c'est un général de l'Alliance, Sylvanas.
Et là, ce qui est assez intéressant, Uther vient d'aller dans l'esprit de Sylvanas. Contrairement à Deos, Uther va connecter. Là, on entend. Moi, j'entends le bruit Windows, vous savez, le tout-tout, tout-tout. Elle connecte Sylvanas. Enfin, il connecte Sylvanas à son âme. Et là, super intéressant. Parce qu'on pourrait se dire qu'on est encore dans la tête de Sylvanas, mais non, là, cette fois, on est dans la tête d'Uther. Et l'endroit où on est, eh bien, c'est Lordaeron. Lordaeron avant le passage d'Arthas. D'ailleurs, alors. Avec Eva, on en a parlé. Moi, je disais juste Lordaeron tout court. Ça pourrait être Andoral, puisque bah, c'est l'Andoral à l'ancienne, on va dire, l'Andoral à l'ancienne. Puis, y a, c'est vrai qu'il y a les moulins, etc., qui pourraient rappeler un petit peu Andoral. Mais bon, dans tous les cas, ça veut représenter Lordaeron. Et au final, j'aime bien... Alors, ça va être un clin d'œil. Celui-là, c'est peut-être le clin d'œil qui m'a saoulé, mais bon, c'est pas très grave. Et c'est bien pour les joueurs, tout ça, tout ça. C'est la fameuse phrase, c'est le Elozer d'Obi-Wan Kenobi, hein, c'est le Well-Met, c'est la phrase d'Airstone, c'est le Talent 13 d'Heroes of the Storm pour Uther, le Well-Met, le fameux Well-Met. Donc, voilà, bienvenue, Ranger Général, Général des Forestiers. Et un petit point, moi, qui m'a fait sourire, parce que beaucoup de monde va se dire, attendez, mais il y a un problème avec les yeux dans cette cinématique. Uther a les yeux marrons. Qu'est-ce que c'est que ça, Uther, il a les yeux bleus, je l'ai toujours vu représenté avec les yeux bleus. Eh bien, sachez, mesdames et messieurs, qu'Uther, à Warcraft 2, avait les yeux marrons, à War 3, avait les yeux noisettes, à savoir marron-vert. Et après, parce que c'est paladin, parce que c'est la lumière, on lui met des yeux bleus. Et ça. Et vous allez me dire, oui, mais c'est quand tu utilises la lumière. Non, 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 même quand tu n'utilises pas la lumière, il a les yeux bleus. Et t'es en mode, mais ça sort d'où cette histoire? Donc, j'aime beaucoup le fait de lui avoir mis les yeux marrons, ça l'humanise aussi encore plus comme personnage, je trouve. Et Uther, dans la cinématique, je le trouve vraiment superbe. Donc Sylvanas qui dit what is this, je ne comprends, enfin qu'est-ce qui se passe, et alors ça, tout le monde s'en fout, mais moi ça m'a interloqué, j'en parle souvent, je dis souvent que dans Warcraft, dans WoW surtout principalement, t'as des personnages qui ne se connaissent ni d'Ève ni d'Adam, et pourtant ils ne se sont jamais rencontrés, ils se sont jamais adressés la parole, et là oui mon frère, ou ah oh, mais vous êtes le généralissime, ouais je vous connais, oh, comment ça va poteau et tout, je veux dire... Avant cette thématique, vous m'auriez dit, est-ce que Sylvanas et Uther se sont déjà rencontrés? Je vous aurais dit, en jeu, jamais. Mais bon, vu que Sylvanas est la chef des généraux, enfin, le général en chef des armées de Kel'Thalas, et Uther est le général en chef de Lordaeron, et le général en chef des forces de l'Alliance, bah, y a de grandes chances qu'ils se connaissent et qu'ils se soient déjà rencontrés. Et Blizzard a fait le pari, d'habitude ça aurait été la simplification scénaristique la plus vite possible, en mode si ils se connaissent, oh Uther Lightbringer, vous êtes le fameux Uther Lightbringer, en plus on fait un petit clin, un petit fanservice, tout ça. Pas du tout, ils ne se sont jamais rencontrés. C'est assez ballsy. Alors, s'il y a bien un moment où on aurait pu imaginer que ces deux personnages se soient déjà connus, etc., là il n'y avait pas de problème, hein, j'aurais pas crié au loup ou quoi que ce soit. Mais pour le coup, ils ont pris le choix, ils ont fait le risque, ils ont pris le risque d'en faire deux parfaits, deux grandes légendes de Warcraft, deux grandes légendes de l'Alliance qui se sont jamais rencontrées. C'est pas incohérent non plus, parce que les elfes sont extrêmement indépendantistes, on va dire, j'ai envie de dire, ils sont dans leur coin et basta, donc c'est tout à fait possible aussi qu'ils soient jamais rencontrés. Deux visages, peut-être qu'ils se connaissent de nom et de réputation, mais ils se sont jamais rencontrés, c'est tout à fait possible. Donc c'est assez intéressant, parce que c'est Aleria qui sortait, hein, pas Sylvanas, elle est restée chez elle. Donc c'est assez intéressant, cette prisonnerie, c'est pas non plus une prisonnerie, mais c'est intéressant à noter. C'est quand même ballsy. Someone. Et du coup, Uther, au lieu de dire « Je suis Uther Lightbringer !» Non, non, il dit justement « Quelqu'un qui partage votre destin. » Donc deux inconnus. Pas si diff. Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant. Mais du coup, les deux, eh bien, justement, partagent un lien, puisque les deux sont tombés par la lame du même prince. Là, on réutilise le prémisse de Sylvanas, où on voit Arthas, justement, qui empale Sylvanas. Puisqu'il y a bien, c'est que ça évite aussi de refaire... Ils réutilisent ce qu'ils ont déjà fait, hein, pour éviter aussi de refaire des modèles, faut bien comprendre, c'est logique aussi. Je suis morte en essayant de stopper ce monstre. Seulement pour me réveiller hanté par quelqu'un qui avait ma tête. Je reviendrai sur ce que Sylvanas vient de dire. Je suis morte en essayant de stopper ce monstre, parce que c'est rigolo. Uther est en train de confronter le monstre. Il est en train de confronter Sylvanas, qui a commis des atrocités. Mais ça, on y reviendra en fin de vidéo. Donc voilà, Sylvanas qui est un peu dans le déni en disant que bah elle voit juste un démon qui a son visage et qui est en train de faire des choses horribles. Et là, Uther est en train de dire bah oui, mais cette Banshee, c'est toi. Is you. Ah oui, c'est toi, avec des yeux extrêmement plaintifs, extrêmement plaintifs.
Et je vais y revenir après, je vais y revenir après d'ailleurs. Sylvanas qui est dans le déni, hein, non, je ne peux pas accepter cela. Transition directe sur un autre événement de Warcraft 3, à savoir la destruction de Kel'Thalas, avec la fameuse Malbrèche de 1 mètre carré sur 1 mètre carré, bien entendu. Et tu as vu les décisions qu'elle a prises. Et là, Sylvanas répond, jamais en mille vies, je n'aurais pu faire tout ce pour quoi je me suis battu, tout ce que j'ai toujours défendu, je ne pourrais jamais trahir tout ce pour quoi je me suis battu. Petit truc, on l'avait dit, les toits bleus de Kel'Thalas, si tu détailles, mais moi, merci Blizzard de ne pas avoir fait preuve d'incompétence, merci beaucoup. Et vous allez dire, c'est une coïncidence. Toi bleu aussi là, sur un bâtiment de merde. Toi bleu, oh elfe. Toi rouge, elfe de sang. C'est bien. Christo vert, elfe de sang. Christo bleu, oh elfe. C'est bien, Blizzard, c'est bien. Bon, hein, on a quand même toujours des petits points faibles, hein, bien sûr. C'est pas la balafre, j'ai oublié le nom. De 1 mètre sur 1 mètre, et les bois dorés de Kel'Thalas. Ça aurait été compliqué de refaire le... Ils auraient pu les mettre en vert, sans déconner, c'était pas compliqué, mais bon. Alors, on peut pas être parfait. Ils ont déjà mis les toits bleus, c'est déjà très bien. La fameuse Kel'Thalas dorée... Bon, et je vous ai sorti un peu du truc, donc jamais en mille de mes vies, je n'aurais pu trahir tout ce pourquoi je me suis battu. Et là, juste après, de toute façon, elle est là de son discours. Tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux de toute façon pas comprendre. Et là, c'est le moment préféré pour moi de la vidéo. Mon moment préféré. Ce traitement des visages. Et pourtant, on n'est pas sur de la CGI, mais le niveau est vraiment bien fait. Très expressif, les visages de Sylvanas et d'Uther. Et là, Uther qui ferme les yeux et qui montre son autre partie fragmentée. Eh oui, il lui montre ce côté désavoué, son côté désavoué qui fait partie de lui. C'est pas quelque chose qu'il doit rejeter. Ces deux parties sont Uther. C'est ce qui caractérise Uther. Il y a la partie humaine, mais la partie aussi qui a été brisée, qui a été détruite et qui est maintenant devenue un Kyrian désavoué, tout ça. Et il le dit. Le geôlier du coup, peut-être sournois, peut-être... Lorsque j'ai réalisé que j'étais un de ces pions, cela a failli me détruire. Il n'avait aucun doute sur le fait que ça te détruirait toi aussi. Avait-il raison? Et là, transition sur BFA, Battle for Azeroth, avec la destruction de Tel Rassil, où vas-tu accepter justement son héritage brisé? Will you accept her shattered legacy and tell us how? Et nous dire comment l'arrêter? Her crimes. Ses crimes, donc Sylvanas qui dit ses crimes sont impardonnables. Yes. Et Uther répond oui, c'est vrai. Ils sont impardonnables. Et elle... brûlez-le. Et là, le changement. Elle doit payer de ses... Je dois payer. Je dois faire face aux conséquences. Et là, le discours du terre... Alors, juste petit rappel quand même. À ce moment-là, écho au début de la vidéo où elle se sent extérieure aux agissements de Sylvanas. Elle est là. Et à la fin... Elle est Sylvanas. C'est elle qui a commis cela. Et elle, si vous ne l'aviez pas vu au niveau visuel, elle le dit en phrase. C'est elle qui... Je dois faire face aux conséquences. Il y a toute la cinématique fait part de l'acceptation de ce qu'elle est et de justement que cette partie mort-vivante de Sylvanas, c'est elle. C'est une version c'est la version la plus agressive, la plus... tout le ressentiment de Sylvanas a fait la Banshee, en fait. C'est tout ça, c'est aussi ça l'intérêt d'un mort-vivant. Rappelez-vous aussi la nouvelle que j'avais un peu détruite sur les Chevaliers de la Mort. C'est ça, les morts-vivants, justement. C'est tout ce qu'on sort de vous, c'est tout le côté horrible, le côté détestable, la haine, l'injustice, tout ça pour
prendre le plus noir en vous et en faire quelque chose, en faire une arme, tout simplement. C'est ça être un mort-vivant aussi, c'est tout le plus sombre de vous qui ressort, et c'est ça aussi qui est vachement intéressant avec les morts-vivants. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que derrière, Sylvana s'ouvre au dialogue, et derrière, Uther qui lui dit « Nous ne pouvons pas changer le passé, et ne pourrons peut-être jamais trouver le pardon dans le futur. » Et il dit oui, parce qu'il lui encore, lui aussi, a fait des choses terribles, de son vivant, mais surtout en Kyrian aussi, il a tué plein de gens, etc. Il a forcé des gens à la conversion, etc. Donc, même si peut-être que si on doit faire un truc, ses crimes sont peut-être moins terribles que ceux de Sylvanas, ça reste des crimes aussi, et du coup, c'est pour ça qu'il dit oui, et pas toi. C'est le lien, encore une fois, j'ai fait des choses terribles, on pourra jamais changer le passé, on ne pourra peut-être jamais être pardonné, mais l'inaction nous condamne tous. Le temps est court, Général Ranger, faites votre choix. Et là, Uther qui répond. Ce qui est rigolo aussi, la teinte, hein. Les désavoués, donc une teinte violette un petit peu qui rappelle les morts vivants du coup. C'était, je pense pas que ce soit volontaire à la base, mais du coup ça rend bien. Parce que c'est pas des morts vivants, hein, les désavoués, hein. C'est des morts, hein, tout simplement. Et c'est juste le côté Fallen Angel, hein, le côté ange déchu. Mais du coup, ça rend bien. Violet, ça rend bien. Et là, superbe, hommage à Légion avec la mort de... la boucle, on va dire, la mort de Vol'jin était sur cette musique, et Sylvanas, du coup, avait été proclamé chef de guerre de la Horde sur cette musique. Et ce qui est très rigolo, d'ailleurs, c'est que les deux premiers à partir de la salle, c'est les deux chefs de la Horde, hein, Thrall et Bane. Donc Uther qui a répondu « J'ai fait tout ce que je pouvais. » Maintenant, son destin lui appartient. Jaina qui est aussi... ils ont tous les trois un lien très fort, hein. Tous les trois grandes figures de l'Alliance. Jaina, les trois ont une relation avec Arthas, bien sûr, donc c'est intéressant. Et Bolvar qui s'en va. Le seul qui a pas vraiment de lien avec l'univers. J'arrête. Et du coup, Sylvanas qui se réveille. Et ce réveil, c'est pas n'importe quoi. Ce réveil, c'est justement le fait qu'elle a réussi à pardonner ses fautes. Et ça, c'est assez intéressant, parce qu'encore une fois, ça fait écho. On pourrait dire c'est facile, tout ça, tout ça. Et rappelez-vous, je sais que j'ai vu plein de critiques en mode « Ouais, c'est facile que le geôlier, il ait abandonné... Enfin, à la fin, il donne Sylvanas pour que justement Sylvanas puisse... il laisse Sylvanas, il aurait pu la tuer, il la laisse, etc. Sylvanas, enfin, déjà le geôlier, j'avais évoqué à l'époque que c'était un peu compréhensible vu la psyché du geôlier qu'il a gagné, en fait. Il a déjà gagné, à la 9 points, il a gagné, en fait. Donc... au contraire, il va encore une fois plus torturer les gens, les faire s'entre-déchirer, etc. Ça a toujours été son but et il l'a toujours fait. Donc, et sur le papier, Uther le dit en plus dans la cinématique. Vous avez même les réponses dans la cinématique. Il le dit. Il est sûr que tu n'arriveras jamais à te pardonner et que vous allez rester fragmenté. Uther, il a fait ce que Devos n'a pas réussi à faire avec Uther. Uther a réussi à lui faire ouvrir les yeux sur ça et réussir à lui faire... la faire avancer, presque à faire son ascension, j'ai envie de dire, même si là c'est trop Kyrian, mais presque à faire son ascension personnelle, où bah, cette partie horrible de Sylvanas fait partie d'elle, c'est elle. Et du coup, elle a réussi à pas s'auto-pardonner, mais les deux fragments sont réunis enfin, et c'est ce qui permet de la réveiller. Donc sans l'intervention d'Uther et sans ce travail sur soi, j'ai envie de dire, de Sylvanas, eh bien elle serait probablement restée dans le coma éternellement. Donc ça, c'est super bien foutu, et franchement, cette cinématique... est excellente, vraiment, je la trouve très 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 bonne d'un point de vue écriture. Encore une fois, tout l'arc d'Uther, tout l'arc Kyrian a encore écho ici, c'est superbement écrit à ce niveau-là. Et surtout, moi je suis très content, j'ai pu voir des retours de viewers qui détestent Sylvanas, qui n'aiment pas du tout Sylvanas, et qui ont été... c'est intéressant parce qu'il y a toujours les anti et les pro Sylvanas, et... les connards comme moi qui sont au milieu et qu'on n'a un peu rien à foutre. Et au final, eh ben, Blizzard doit faire l'impossible, réussir à réunir tout le monde. C'est pas possible, non, ce sera impossible. Mais j'ai l'impression qu'en tout cas, sur certains retours que j'ai pu voir de viewers qui n'aiment pas Sylvanas, ont aimé cette cinématique et justement ont réussi enfin à être un peu... à se dire, bon ok, avec cette cinématique je peux comprendre un petit peu ce qui s'est passé, etc. Donc c'est bien, c'est pas mal, mais honnêtement elle est super bien écrite. Encore une fois, d'un point de vue narratif, elle est très bien écrite, elle est très bien animée, elle est très bien designée. Moi, le moment où Uther il ferme les yeux comme ça, je le trouve magique, vraiment, le moment où tu peux pas comprendre et il lui dit, mais regarde, bah, en fait si, au contraire, je suis le mieux placé pour savoir ce qui t'est arrivé. Et même Uther aussi, l'autre point, c'est le moment où...
où tout le monde lui dit oui, elle devrait jamais. En fait, Uther, il se projette aussi dans Sylvanas en mode elle peut pas se réveiller. Là, t'as Ben qui dit elle devrait jamais pouvoir se réveiller. Il y a que Bolvar qui dit oui, peut-être que si. Et les deux autres disent oui. Jaina dit c'est à cause de lui, c'est à cause d'elle qu'on a perdu Anduin. Thrall dit elle a raison. Donc en gros, t'as trois mecs contre. Et là, regardez le regard d'Uther. Regardez le regard d'Uther. Jaina is right. How can we possibly try? Regardez ses yeux, ce instantanément tu vois que c'est ce qu'il aurait pu entendre des autres Kyrian par rapport à ce qu'il a pu faire, et c'est ce qu'il a entendu aussi des autres. Il y a vraiment un jeu de caméra aussi, un jeu de regard, etc., qui est superbement animé. J'ai hâte de voir la version française, honnêtement, mais moi j'ai toujours préféré la VO de Sylvanas, même si la VF de Sylvanas est excellente, hein, je ne dis pas le contraire. J'ai toujours préféré la VO de Sylvanas, alors que tout le reste, hein, genre même Medzen, qui double Thrall, moi je préfère le Thrall français. Jaina, pareil, je préfère la Jaina française. Bane, bon, il parle pas beaucoup, donc... ouais. Mais souvent, et Arthas, largement au-dessus en français. Mais pour le coup... Genre, c'est vrai que j'aime beaucoup la Sylvanas, et j'ai hâte de voir le Laurence Brérère, donc la doubleuse française, l'actrice, la comédienne de doublage de Sylvanas, voir un petit peu ce qu'elle fait en FR, parce qu'elle va avoir de la difficulté, hein, parce que franchement, la doubleuse de Sylvanas, j'ai oublié son nom, mais elle est exceptionnelle, hein, vraiment, elle a fait un super travail. Et ils ont tous fait un super travail. Hein. Franchement, d'un point de vue écriture, c'est pareil. Un autre point, je vais faire un petit tacle sur Wotelka, je suis désolé. Mais... Regardez aussi le traitement d'Uther. Regardez Uther depuis le début de Shadowlands. Regardez son traitement, regardez son cheminement, regardez comment il arrive de manière humble, de manière moi j'ai fauté, j'ai fait des choses, j'ai une part de responsabilité, tout ça, tout ça. Regardez ce traitement qui est vraiment superbe sur Uther. Et regardez celui qui avait le rôle d'Uther à Wrath of the Lich King. C'était Terenas. Bon, après, il a été un peu mélangé entre Terenas, Tyrion, Bolvar, même un peu Uther d'ailleurs, mais c'est surtout Terenas. Et regardez la différence de traitement entre les deux, quoi. Il n'y a pas photo, quoi. Il n'y a vraiment pas photo. Alors, vous allez me dire, oui, à l'époque, il n'y avait pas autant de moyens, etc. Mais il n'y a pas besoin d'avoir des moyens de ouf pour pouvoir bien écrire un personnage. Hein. C'est juste que ça rend encore mieux si tu as les moyens. Mais il y a, enfin, genre... rappelez-vous, Terenas, il arrive à Wotelka, il arrive, hop, je reste tout le monde. Quoi, je peux reste tout le monde? Ouais, je suis paladin. Quoi, jamais été paladin? Bon, c'est pas grave. Oui, et puis je connais tout, hein, il faut machin, oui, la couronne, et puis il y a le tonnerre qui gronde. Genre, t'es en mode, what the fuck, quoi. Là, regardez, c'est la différence d'écriture, quoi. C'est vraiment impressionnant, je trouve, et... Non, clairement, c'est cool. Alors, on n'a pas encore toutes les réponses à toutes nos questions, bien sûr. Hein, l'orée de la nuit, encore une fois. Hein, le pacte entre Sylvanas Banshee et le geôlier, bon, on aimerait avoir plus de détails. Mais, pour le coup, cette cinématique fait un super travail. Et moi, je la trouve vraiment très réussie, pour le coup. Non, il y a toujours des choses que j'attends avec Shadowlands. Hein, où est Kill Jaden? Mais je lui ai dit, on fera un débrief, tout ça. Mais clairement, il y a des choses qui vont pas aussi avec Shadowlands. Hein, Kaltuzad, je compte toujours faire une vidéo dessus. Ne vous en faites pas. J'attendais la sortie du Grimoire de l'Ombre-Terre, et maintenant que c'est sorti, je vais faire une vidéo dessus. Mais clairement, la vidéo, enfin clairement cette cinématique sur Sylvanas, je la trouve extrêmement réussie. Voilà, on va pas aller plus loin, je pense avoir fait le tour, j'espère n'avoir rien oublié, sinon je mettrai ça dans les commentaires en épinglé. N'hésitez pas à me donner vos retours, bien sûr, et essayez d'être constructif. Je sais qu'il y en a qui aiment pas Sylvanas, je sais qu'il y en a qui adorent Sylvanas. Soyez juste constructif, s'il vous plaît, dans vos propos. Hein. Vous pouvez ne pas apprécier le personnage, vous pouvez ne pas aimer, etc. Mais prenez un peu de recul et essayez de voir, justement, factuellement. Et Sylvanas, j'ai déjà fait des vidéos de débunkage et autres dessus. Probablement Sylvanas, je veux dire, dans World of Warcraft, il y a plein de persos qui ont été maltraités, qui ont été changés, etc., etc. S'il y en a bien qui est très vieux et qui, pour le coup, a très bien traversé les années, c'est Sylvanas. D'un point de vue cohérence de personnage, on peut encore une fois ne pas aimer ou aimer le personnage. D'un point de vue traitement de War 3 jusqu'à maintenant, le perso a quand même été assez droit, on va dire, dans sa ligne directrice. Donc ça, c'est plutôt cool. Et aussi, je sais qu'il y en a qui ont été pas mal choqués et qui sont en mode, quoi, une rédemption sur Sylvanas? Si vous regardez le contenu de la chaîne, je pense que vous êtes... Enfin, ça fait 3 ans qu'on le colle, hein, la rédemption de Sylvanas. Maintenant, ce qu'il fallait faire, c'était surtout la manière. Et au final, encore une fois, elle va devoir faire face aux conséquences. Elle sera jugée aussi. Et il y a de grandes chances, et de toute façon, les devs en avaient parlé, qu'elle ne... Enfin,
que la page, le chapitre Sylvanas se refermerait avec Shadowlands. Donc il y a très peu de chances qu'elle sorte des Terres d'Ombre après. C'est pas impossible, mais il y a très peu de chances qu'elle sorte des Terres d'Ombre après Shadowlands, en tout cas sur les extensions d'après. Peut-être qu'elle sera dans un frigo scénaristique comme Illidan et qu'elle servira plus tard, mais il y a de grandes chances que soit elle meure, soit elle fasse sa nouvelle vie dans les Terres d'Ombre, dans les Terres des Morts. Donc pour le coup, c'est, j'en avais parlé, c'était quelque chose qui sort pas de nulle part. Donc non, c'est, je suis pas un génie, hein. Je veux dire, c'était assez prévisible aussi. Depuis très longtemps, ça fait depuis le début de BFA que j'en parle. Donc non, c'est plutôt, même fin Légion en fait. Hein. Mais du coup, non, c'est plutôt bien vu, voilà. N'hésitez pas, plein de bisous, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, tout ça, plein de bisous, et à bientôt pour de prochaines vidéos. A plus, dans le Nexus. Le follow Facebook, le petit like YouTube, le follow Twitter, l'abonnement YouTube. Au revoir.